Et yo les babes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart sur Gmod Dark RP, on repart noter des serveurs, on a noté 3 serveurs aujourd'hui, vous allez voir. Et bien sûr, je vous explique aussi comment me donner des serveurs à noter au lieu de m'envoyer des mails, au lieu de me notifier partout, ça sert à rien. J'ai fait une seule chose pour noter vos serveurs, c'est le Reddit, il est dans la description, je vous le réexplique au cours de la vidéo, vous le verrez. En tout cas, aujourd'hui, on a noté 3 serveurs, dont un qui est vraiment, vraiment cool. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti, les babtous, comme d'habitude, un maximum de likes à la fin de la vidéo si tu veux revoir un épisode, je note vos serveurs. C'est parti, let's go! On a un homme plutôt beau gosse, voilà. Ok, donc là on est sur le serveur, du coup on va prendre nos clés en main. Non, on va pas prendre les clés parce que les clés c'est chiant. Serveur, du coup on est sur serveur offshore. On est sur une map que moi je ne connais absolument pas. Tab, ok, on a le tab. Si je fais F4, on a quoi? Alors dans le F4, on a les métiers directement dans le F4. Donc ça au moins c'est rapide, il n'y a pas besoin d'aller au pôle emploi et de chercher pendant 15 ans le pôle emploi. On va voir directement ce qu'il y a comme métier. On a mineur, expérimenté, instructeur de tir. Ah, ça c'est trop bien, donc instructeur de tir, ok, technicien de sécurité, instructeur de conduite, contrebandier, chimiste expérimenté. On a mineur expérimenté, du coup, qui est un VIP par contre. Hein. Chimiste amateur, dépanneur, vendeur d'armes, quincailler, bûcheron, mineur amateur, informaticien, musicien, conducteur de taxi, fermier, conducteur de bus, électricien, cuisinier, banquier, maire, médecin et sénateur. On a même sénateur, ok. Et quelle est la différence du coup entre le maire et le sénateur? C'est ça la question, tu vois, qu'on pourrait se poser. Policier et pêcheur. Ok. On a les entités, donc BA imprimante, imprimante, alarme de voiture et boîtier de contrôle. On a les infos, donc le staff en ligne, les règles, la boutique, le site et la collection. On a les commandes, jeter de l'argent, donner de l'argent et jeter une arme directement dans le F4. Et si jamais vous voulez voir les autres serveurs de offshore, bah, tout simplement... Hop, si je me décale. Vous voyez ici, on a le bridge SCP qui appartient aussi à offshore. Sénateur, c'est le métier staff. Ah, donc sénateur, c'est le métier staff. Ok, ok. Là, maintenant, on va aller faire un tour dans la map. Par contre, je suis à 60 FPS, donc 110 FPS. What the fuck? J'ai 0 lag, les gars. C'est ultra propre. Donc là, on a l'école de tir et le magasin de vente. Wow. Wow, c'est moi qui ai eu un gros rollback. Hein. C'est pas le serveur, c'est moi. Hein. C'est mon PC. Je sais pas pourquoi. Là, on peut. Ok, donc là, on a le magasin de vêtements. Vendeur d'accessoires et vêtements. Voyons voir les vêtements. Modèle 1, modèle 2. Ok, donc là on peut changer. Ah ouais, ok. Chuter est super simple à gauche. Donc au moins on se prend pas la tête. Même si moi j'ai une petite préférence en ce moment pour le HUD télé. Montre. Mais ce HUD est cool. On a l'école de tir à côté. On a le Burger King. Donc là c'est pas McDo, c'est Burger King. J'ai actuellement 5 de ping. Les gars, j'ai la fibre. Hein. Et j'ai 5 de ping actuellement sur le serveur. Et j'ai. Et j'ai 110 FPS quoi, 110 FPS constant quoi. On a, ah bah voilà, là on a le concessionnaire du coup. On a le concessionnaire qui a des modèles d'exposition. Ça j'aime bien moi. J'aime bien parce que ça fait vraiment concessionnaire tu vois. Genre tu te dis, la petite celle-là, là je me la ferais bien tiens. Ah bah non la Citroën, bon avec des problèmes. Ouh, ah ouais mais ça c'est pas dans mes moyens, allez hop. Et là il neige les gars. Let's go, comment c'est trop stylé ça par contre. Tiens par là-bas du coup on va retourner vers la ville. Et on va donner une note au serveur. Du coup, moi pour les lags, j'ai 0 lag, les gars. Genre, je tourne à 90 FPS. Je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire. J'ai 0 lag. Pour les métiers, il n'y a qu'un seul métier VIP. Et il y a pas mal de métiers, je vous les remontre. Il y a pas mal de métiers. Il n'y en a qu'un seul qui est VIP, c'est mineur expérimenté. Le F4 est cool. Pas de menu C pour l'instant. Et il y a des fonctionnalités qui arrivent. Et ensuite, la map est cool, mais grande. Alors je sais pas si elle va être bien, je ne la connais vraiment pas, c'est une map que je ne connais vraiment pas. Donc du coup, je ne sais pas, mais je l'aime bien en fait. Le fait qu'il puisse faire nuit, qu'il puisse neiger, qu'il puisse faire beau, enfin vous voyez, ça ajoute grave de roleplay. Et c'est pas de la neige qui vous pourrit l'écran et qui vous fait laguer, je veux dire, j'ai 0 lag là, vous voyez. Donc moi je lui mets un bon 17 sur 20, un bon 17 sur 20, j'enlève juste 3 points. Parce que je sais pas si la map va me plaire en termes de grandeur, vous voyez ce que je veux dire? Mais en vrai, si la map, je la kiffe en termes de grandeur, je pense qu'il mérite un 19 easy, tu vois. Bon, du coup, on est sur la map de G-Drugs. Waouh, qui est une super map que je connais absolument pas d'ailleurs, par contre. On va aller voir le Tower Casino. Ok, donc il y a un casino. Je suis à 90 FPS, mais on est que 3 joueurs sur le serveur, hein, donc forcément.
Ok, donc là du coup on a la pizza pizza. Du coup c'est pas un McDo ou quoi, c'est vrai que ça change, c'est bien. Vraiment fluide, hein. La map a l'air grande, elle a l'air vraiment cool aussi la map. Les ATM sont cool, sont comme sur ceux d'Eternium d'ailleurs. Là ok on a une zone où tu peux faire vendeur d'armes, etc. Franchement ça c'est super cool. On a une énorme tour là, ça donne vraiment bien en vrai. En vrai la map est super cool, hein. Moi je connais pas cette map, j'adore. Hein. Ah il y a le McDo quand même ici, ok. Donc en fait il y a deux points de restauration. Il y a le truc à pizza et le McDo. Et là, du coup, ici, on a le Pôle emploi. Ok? Et le Pôle emploi, c'est l'énorme bâtiment qui est immense. Alors, j'imagine qu'on peut pas monter tout en haut. Voilà, ouais, c'est bloqué jusque là-haut, troisième étage. Mais c'est quand même bien, tu vois. Genre, c'est vraiment cool en fait. Putain, ouais, c'est vraiment cool. On peut monter jusqu'où? Ok. Ok. Ouais, mec, imagine, t'as des bureaux ici, tu domines la ville, gros. Défonce en fait ce bâtiment. On est d'accord, non? Genre là, tu fais ton bureau, mec, avec des printers et tout. T'as vue sur la ville, gros. Au niveau des menus, on va regarder un peu les menus. Donc le menu là-haut est normal. On va regarder le F4. Le F4, on a un vrai F4. Le vrai F4 qu'on aime bien, avec tous les détails qu'on aime, les objets, les armes, les règles, la boutique, le site web, le forum, le groupe Steam, la collection, la console et pour déconnecter. Et on a aussi, donc du coup, les commandes normales, c'est-à-dire jeter de l'argent, donner de l'argent, jeter l'arme, etc. Et on a nos infos à nous et on n'a pas les infos sur le serveur. En revanche, je suis mort de ma fracture et mon hémorragie m'ont tué. Ok, donc là, du coup, on a l'hôpital. Donc avant que je meure, on a pu voir le F4. Ce que j'aimerais bien voir, c'est le tab. Donc le tab, il est absolument stylé. J'aime bien le tab. Donner de l'argent, déposer de l'argent. Vous pouvez tout faire dans le tab aussi. Mode FPS, TPS. Ok, super cool ça. Ok, et du coup, maintenant, il nous manque d'aller voir les métiers. Est-ce qu'il y a un menu C? Non, il n'y a pas de menu C. Ok, donc maintenant on va aller voir les métiers. On finit juste de regarder cette map parce que moi je la connais vraiment pas. Elle est super cool. Ouah, wow, OVH. Ah ouais. Tu peux l'acheter en fait. Prix d'achat 3500. Nombre de ports 10. Oh, tu peux acheter carrément l'entreprise OVH. Genre, tu te mets un secrétaire, etc. C'est vraiment stylé, les gars. Ah ouais, regardez les serveurs et tout. Du coup, vous avez les serveurs OVH et tout. Ah ouais, mais ils ont vraiment pas rigolé en fait. Franchement, c'est super cool comme map. Je suis agréablement surpris par la map. Je suis agréablement surpris par le serveur. Puis il y a chômeur, garde du corps, banquier, cuisinier, vendeur d'armes, garagiste, fermier, chauffeur de taxi et Brink. En VIP, on a mineur. Alors, je trouve ça dommage que mineur soit en VIP. Et on a raffineur de pétrole en VIP. Ok. Le reste, je pense, c'est du serious RP. Donc, ça va être du serious RP. Ok, là, c'est ce qu'on peut acheter. On peut apercevoir et acheter du coup avant d'acheter. Vous voyez, par exemple, si je veux acheter G-Serve, etc. Donc, ouais, ok, c'est super cool. Okay. Et on a les emplois illégaux ici. Donc, on a VIP fabricant de meth. Donc, fabricant de meth, c'est VIP. C'est dommage. Fabricant de cocaïne, fabricant d'alcool, fabricant d'opium, fabricant de LSD, fabricant d'héroïne, gangster et mercenaire. Du coup, on a énormément de VIP hein, quand même. Hein. C'est VIP quand même. Hein. Faire de la drogue autre que de la cocaïne, t'es obligé de payer en fait. Tu vois, donc je trouve ça abusé, tu vois. Ça mérite un 15 sur 20 à cause du VIP, on est d'accord. Moi, je mettrais un 14-15 sur 20 à cause du VIP, ouais. Vous mettriez combien, vous? Moi, je mettrais un 15 sur 20 parce qu'il a une putain de map, une putain d'optimisation. Il est grand, il est beau et il y a plein de nouveautés que j'aime bien, tu vois. Donc, je mettrais un bon 14-15 sur 20, un bon 15 sur 20, même, ouais. Juste trop de VIP, tu vois. 15-16, juste trop de VIP en vrai. Trop de VIP dans le sens où trop de VIP ciblés, tu vois. Genre les 4 trucs de drogue, 4 trucs VIP, tu vois. Donc ça m'a ça c'est un peu saoulant, tu vois. Mais je vous invite à aller sur le serveur du coup qui s'appelle G-Drugs. Donc là on va aller voir le serveur de Arlington RP, donc de Babouille Magique. Il me l'a mis sur mon Reddit il y a une semaine, il y a 6 jours. Donc c'est ici que je vais pour maintenant noter les serveurs. Donc n'hésitez pas à aller dans le Reddit et dans n'importe quel commentaire de mes posts, vous pouvez mettre votre serveur et moi j'irai le checker du coup. N'hésitez pas à le faire. Le Reddit sera dans la description. On va visiter ce serveur du coup qui m'a été proposé sur le Reddit. Alors, on est sur un serveur où l'HUD en haut est tout à fait normal. L'HUD en bas, par contre, est super gros. Alors, peut-être un peu trop gros d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est peut-être le problème. On a un cycle sûrement jour-nuit puisque là, il fait nuit. On va regarder un peu la map. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai 100 FPS. C'est super bien optimisé. J'ai aucun problème. Après, on est que deux sur le serveur. Hein, on va pas se le cacher. Voilà. Donc, du coup, deux sur le serveur, forcément, cela marche très bien. La map, on la connaît malheureusement. J'ai envie de dire, c'est la même map qu'on a pu trouver sur La La Land ou même sur le serveur de LoLox.
Une map beaucoup trop grande. On va pas faire le tour parce que ça sert absolument à rien de faire le tour de la map pendant 10 ans. Mais en revanche, on peut le dire, cette map est beaucoup trop grande. Mais le développeur qui est sur le live actuellement nous annonce qu'en fait il va créer une nouvelle map, en fait, qu'il va nous faire une nouvelle map et qui sera pas du tout la même que celle-là parce que celle-là est beaucoup trop grande pour le RP. On est d'accord, elle est vraiment trop grande, elle enlève directement 5 points sur la note facilement. Là, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des lags, j'ai 0 lag. Le F4 est sympa. On a ambulancier, avocat, banquier, chauffeur de taxi, cuisinier, dépanneur, fabricant de cannabis, fabricant de méthamphétamine, gouverneur du Texas, mécanicien, médecin, sans-abri, tueur à gages, vendeur d'armes. Et du coup, on a que des métiers qui sont pas VIP, j'ai l'impression. Je vais faire de taxi, cuisinier, dépanneur, fabricant de cannabis. Ce n'est pas VIP, méthamphétamine non plus. Rien n'est VIP. Ok. Il n'y a aucun VIP du coup sur le serveur. Donc très très bonne nouvelle. Alors je pense que je peux gérer le job de cadet de police, officier de police, brigadier de police, sergent de police, lieutenant de police et capitaine de police. Donc on a tous les jobs qu'on veut et on a même le job avocat tout simplement. Ok, bah c'est nickel, franchement c'est un très très bon serveur qui te présente des très très bons métiers, sans VIP encore une fois, il y a zéro lag. En revanche la map est vraiment trop grande et pas assez bien pour le RP, c'est pour ça que je te mets un 15. Mais en revanche tu vas la changer, donc je viendrai la voir, on ira la voir les Babtous ensemble pour voir changer la map. Mais en tout cas ce développeur est très bien parti puisqu'en tout cas les métiers sont non VIP, il y a énormément de métiers donc c'est plutôt cool.